Bonjour. On va faire l'exercice numéro 5 que nous n'avons pas terminé la dernière fois en classe. Alors, que nous dit cet exercice? Il nous dit que j'ai une adresse 192. Quatre-vingt-douze, 168, 100, 0. Au départ, j'avais un slash 24, c'est-à-dire 255, 255, 255, 0. Ça c'était mon masque par défaut. Et on me dit, on souhaite à partir de cette plage d'adresse, avoir on souhaite avoir trois sous-réseaux. Trois sous-réseaux. Ces trois sous-réseaux, on a en fait le premier, on a besoin de 60 PC. Le deuxième sous-réseau, on a besoin de 30 PC. Et le troisième, on a besoin de 12 PC. Voilà. Donc c'est ça l'exercice. Alors, donc, quand on a un exercice de ce genre, il faut regarder le nombre de PC le plus grand. Et on commence à partir de là. D'accord? Je veux 60 PC. 60, pour avoir 60 PC, en fait, mon 60, il est égal, ou plutôt inférieur, inférieur ou égal, d'accord, à 2 à la puissance. Alors la puissance, je vais la faire comme ça, hein, c'est plus simple pour moi de marquer avec des étoiles qu'avec la vraie puissance. Alors, 60 est inférieur ou égal à 2 à la puissance 6, voilà, qui est égal en fait à 64. On est d'accord? Ok. Donc ça veut dire qu'il me faut, 6 bits à 0. Il me faut 6 bits à 0. Ok. 6 bits à 0, ça veut dire que selon mon masque que j'avais, hein, donc je commence à résoudre là, en rouge, mon masque c'était 255, 255, 255, 0, ça c'était mon ancien masque. Et en fait, j'avais que des zéros ici, hein, mais oui, zéro, hein, le dernier, je vais le marquer en binaire. D'accord? D'accord. Donc ça, c'était mon masque. L'ancien. Alors, le nouveau masque, j'ai besoin de combien? J'ai besoin, en fait, à avoir,
pour répondre à mes besoins de 60 machines, on me dit que j'ai besoin de 6 bits à 0, c'est-à-dire 6 bits à partir de là. D'accord? Donc, je vais prendre que mes. Non, bon, je vais écrire 255. 255. 255. D'accord? Et là, il me faut 6 bits à 0. Ça veut dire que j'ai 2 bits à 1 et le reste, c'est à 0. Alors, on est 4, 5 et 6. Alors, mes 6 bits à 0 avec mes 1. D'accord? Ça, c'est en base de 10. En base de 10. Ça va me donner. Ça va me donner en binaire. Quoi? Ça va me donner 192. 192, oui. Et mes 192, c'est 128. D'accord? Plus 64. Ce qui me donne 192. D'accord? Donc. Mon nouveau masque, ce sera égal à 255, 255, 255, d'accord, 192. Donc c'est ça mon nouveau masque. Tout de suite après. Tout de suite après, il faut que je prends le nombre de PC que je peux avoir dans cette partie du réseau qui est le masque 255, 255, 255, 192. Alors, pour cela, il faut compter le nombre de zéros que j'ai dans mon nouveau masque. On a dit que c'est 6. Donc, ça sera 2 à la puissance 6 qui est égal à 64. Cela, c'est et le nombre. D'accord? Et le nombre. De PC que je peux avoir. D'accord? Ok. Alors, sachant que dans les 64, il faut retirer le premier et le dernier. Le premier, on a dit, j'ai pas le droit d'avoir d'utiliser en fait l'adresse réseau et je n'ai pas le droit d'utiliser l'adresse du broadcast. Donc il va me rester 62 PC. Et comme moi on me dit juste 60, ça veut dire que je réponds à la question. Donc pour 60 PC, voici ma première adresse. Alors, ma première adresse 192. Point 168. Point 100. D'accord. Point 0. Ça, on a dit, c'est l'adresse. Ça, c'est l'adresse. Réseau. D'accord. Bien sûr, avec un slash 26, puisque j'ai 2 bits, le nombre de bits qui sont à 1. J'ai ici 8, plus 8, plus 8, plus 2. Donc slash 26. D'accord. Donc ça, c'est l'adresse réseau
plus mon masse qui est à 26. D'accord? Ok. Après, qu'est-ce que j'ai? J'ai ma première adresse valide. C'est l'adresse réseau plus 1. Donc, 192.168.0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 .
5 bits à 0 pour avoir 30 et 7. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai mon ancien masque de 255, 255, 255. D'accord? J'avais un 1, 1, 1. Et il me faut quoi? Il me faut en fait 5. D'accord? Il me faut 5 zéros. D'accord? Pour avoir en fait 30 machines ou 32 machines éventuellement, maximum. D'accord? Ok. Alors, ça, ce masque-là, ça va me donner 128 plus 64, ça fait 192. 60, 192 plus 32, ça me donne 224. D'accord? Donc, le 1 plus le 1 plus le 1 en binaire, ça va me donner en fait 224. OK? Je viens ici. Donc, ça sera en fait, ça c'est mon masque. Hein. Je peux ici. Voilà. Je fais ça. Donc, mon nouveau masque. Alors, un nouveau masque, d'accord, ça sera 255, 255, 255, 224. Le nombre de machines que je peux avoir, on a dit, c'est 2 à la puissance, les nombre de zéros que j'ai ici, c'est-à-dire 5, ce qui me donne 32 PC. D'accord? Dans les 32 PC, il faut retirer l'adresse réseau et l'adresse du broadcast. Donc, il faut que je retire l'adresse du réseau, ça c'est la première, l'adresse du broadcast, ça c'est la deuxième. Donc, il me reste 30 adresses valides. Et effectivement, on me demande 30 PC, donc ça colle. D'accord? Bon, je prends un. Alors, je continue ici, hein. Je monte ici. Je continue ici. Ici, 32 adresses valides. Alors, mon adresse, ma première adresse en fait, 192. 168.100.A. J'étais à 63. 63 plus 1. Ça fait 64. Donc ça, c'est ma première adresse. Ça, c'est ma première adresse qui sera en fait l'adresse réseau. Slash. Je vais marquer en. Pas en slash, hein. Je vais le marquer d'abord en 255, 255, 255 et 224. Là, je peux dire que ça correspond en slash 27. Ça marche? Pourquoi slash 27? Parce que ici, rappelez-vous, j'ai 8 plus 8 plus 8 plus 3. Donc, ça fait 27. Alors, 192, 168, 100,
65. Donc ça, c'est ma première adresse. Première adresse. Valide. OK. Après, la dernière adresse 192 168.100.1 la dernière adresse, ce sera une adresse du broadcast hein, dans ce congé. Donc l'adresse de broadcast, ça sera 192. Plutôt 95, pourquoi 195? Plus 95. 95, c'est l'adresse du broadcast. Donc celle avant, c'est la dernière adresse valide. Donc celle d'avant, elle doit être ici, 192. Allez. 192.168.100.1 94 dernière adresse valide. Ici, voilà. Ici. Et je valide. Voilà. OK? OK. Je fais ça parce que je ne veux pas. Je veux garder en fait cet écran. Parce que si je prends une autre page, tout sera effacé. Je ne veux pas que ça soit effacé. Donc, après, je vais marquer ici pour mettre en vert pour un petit peu de couleur, hein. Pour 12 machines, hein. Pour 12 machines, exactement le même principe, hein. Pour les 12 machines, qu'est-ce que je fais? Ben, je prends l'ancien masque, hein. Le masque sous réseau. L'ancien, c'était 100, 200, c'était en fait le slash 27, hein, qui correspond à 255. 255, 255, et le 27, on a dit, c'est 224. C'était ça l'ancien masque. D'accord? Oh, je prendrai le noir. Le vert, c'est. On voit pas très bien. Alors, ça, c'est l'ancien masque. Je vais marquer ici. Hein. Ancien masque. D'accord, j'écris en français, en anglais. Hein. Ne prenez pas en compte mon orthographe, s'il vous plaît. Épargnez-moi de cette partie-là. Merci. Alors, ça c'était l'ancien masque. Hein. Le 255, 255, 255, 224, c'est l'ancien masque. Hein. Maintenant, le nouveau masque. Le nouveau masque, en fait, on me demande 12 machines. 12 PC. Or, 12 est inférieur ou égal à 16, et 16 c'est égal à 2 à la puissance 4. Voilà. OK.
Mince, oui, c'est ça. Ok. Donc ça veut dire que j'ai 4 bits à 0. D'accord. 4 bits à 0, ça correspond à ma partie haute. À la partie 4 bits à 0 correspondent à la partie haute. Ok. Alors, 4 bits à 0 correspondent à la partie haute. Mon ancien masque était de 255. 255. 255. Et là, je prends. On me dit que j'ai besoin de 4 bits à 0, c'est-à-dire, ils sont là, ils sont marqués en rouge. D'accord. 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc ça, c'est mon nouveau masque. Ce qui va me donner, en fait, hein, cette partie-là, ça va me donner 255, le nouveau masque en décimal pointé. Ça va me donner 255, 255, 255, point 240. C'est-à-dire, je rajoute 16 à 24. Ça me donnera, à 224, ça me donnera 240. Voilà. Maintenant que j'ai calculé ça, donc maintenant je peux calculer ma première adresse du réseau. La première adresse du réseau, c'est l'ancien adresse du broadcast plus 1. L'ancien adresse du broadcast, c'était celle-ci. Donc 192.168. Plus 95 plus 1, ça fait ça. D'accord. Donc ça, c'est ma première adresse du troisième réseau. Première adresse, réseau. D'accord. Après, la première adresse valide. 192, 168, 168, 197, 1. Après, ici, j'ai 15 machines. Hein. C'est comme tout à l'heure. J'ai 1 plus 2, ça fait 3. Plus 4, n'est-ce pas? Ça fait 7. Plus 8, ça fait 15. Donc, ma taille de mon réseau, elle est de 15 machines. C'est-à-dire, la dernière adresse du broadcast, c'est la 15e en fait. Hein. OK? Alors, je prends mon adresse. Je prends mon adresse du broadcast, 192.168.100.80. 16 plus machin, ça donne 111. D'accord? Si je rajoute 15, ça donne 111. La taille de mon réseau, ce qui me donne ici mon adresse du broadcast. Donc si je veux la dernière adresse, c'est moins 1, c'est-à-dire 192.168.100. Point 110. Donc ça, c'est la dernière adresse valide. Et on a terminé la correction. Je vous souhaite un bon week-end et à lundi. Merci.